Allez les amis, comment on se retrouve sous cette nouvelle vidéo de House of Ashes sur PS5? Voilà, nous sommes la veille de la nouvelle année. Donc je ne serai pas là, je suis chez le cousin avec ma femme et les enfants, avec les cousins, en fait la nouvelle année. Donc je ne ferai pas de vidéo, donc voilà, hein, je vous souhaiterai d'avance un joyeux fin 2022. Cet endroit n'arrête pas de nous surprendre. Le puits des âmes. Hadès. On dirait dans Hercule, là, le puits des âmes. Ça vous inspire quoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous voyez ce câble d'ascenseur? Les explorateurs ont dû descendre. Je doute qu'ils aient pu remonter. Ce treuil a l'air de fonctionner. Non. Non? On ne doit pas aller en bas. Les archéologues n'en sont jamais revenus, vous en tenez compte? On n'est pas des archéologues. Notre monde à nous est en haut, sûrement pas en bas. Ouais, mais il y a une armée de monstres entre nous et la surface. Ils sont pas loin. Allumez. Vous êtes fous. Si ces vampires viennent de quelque part, c'est d'en bas. Vous voulez vraiment les affronter sur leur terrain? C'est exactement ce que je fais depuis que j'ai mis le pied dans ce pays. Démarrez-moi cet ascenseur! Tiens, enculé, c'est. T'as pas confiance, moi. C'est deux jeux de s'ils arrivent à survivre avec un ou deux à leur cul, alors. Une créature ancienne est sortie de sa torpeur et elle est assoiffée de sang. Et si nous faisions le bilan des disparitions? Le dialogue est mort. Espérons que rien de regrettable ne soit arrivé au sergent Kay. Ceux que l'abîme entraîne ne font que rarement de vieux. Quant à Jason et Salim, deux ennemis jurés incapables d'enterrer la hache de guerre, ils souhaiteraient plutôt se la planter dans les vertèbres. Oh, Salim, non, il veut pas cette guerre, lui. N'allez pas croire que je veuille vous paraître impoli, mais le temps joue actuellement contre nous. Je tiens à accueillir vos protégés quand ils franchiront la ligne d'arrivée, ou à enfouir sous celle-ci ce qu'il en reste. Vous vous souvenez? Little Hope. Attrape. Oh, ça sent la friture. On est perdu en pleine cambrousse. Tu voulais quoi? Du caviar de melon. C'est pas génial pour une lune de miel. Hein. Je crois me rappeler que quelqu'un ici avait envie de faire de l'escalade. L'escalade, c'est relaxant. Qu'est-ce qu'il y a? Le type qui m'a servi. Je sais pas, il me regardait bizarrement. Ah, c'est sans doute qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes comme toi dans le coin. Et encore moins aussi jeune. Ah, il m'a dit des trucs bizarres. Du genre? Laisse tomber, c'était rien. Je sais pas de qui il parle, par contre. Vas-y, dis-moi. T'es dans le roux?
Il m'a dit que je ne serais jamais aussi heureuse que maintenant. C'est des conneries. Tu ne l'as pas cru, au moins? Bien sûr que non. Tu sais que mon seul objectif, Rachel, c'est de te rendre heureuse. Ou peut-être l'inquisiteur. Peu importe où on se trouvera ou ce qu'on traversera, j'arriverai toujours à te faire sourire. Tu vois? Je te l'avais dit. La prochaine fois, tu me siffles et j'accours pour défendre ton honneur. Oui, comme mon fidèle petit chien adoré. Semper. Toujours fidèle en latin. Je suis largement capable de me défendre toute seule. Vire tes pieds de mon tableau de bord, chien fidèle des bois. Voilà. Voilà, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi tout. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. On se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.